Hello, aujourd'hui dans le sac de Mac, rubrique sport, nous sommes à Abobo, à Abidjan, et nous allons à la découverte de la discipline vocotruenne avec Maître Marcel Kofi. Let's go! Waouh, quel accueil! Bonjour Maître Marcel Kofi. Merci, je suis vraiment touché. C'est la première fois que je me fais accueillir dans une discipline de la sorte. Nous sommes honorés. Ouais. Faites comme chez vous. Bah écoute, merci, je rentre. Merci Maître Marcel Kofi de me recevoir dans votre dojo. L'honneur est pour nous de vous recevoir ce jour. Voilà, je suis Maître Marcel Kofi, 6e dan. Représentant de la Fédération mondiale, directeur technique nationale du Vocotruenne Côte d'Ivoire. Ben, je suis très touché. Apparemment, je suis dans une fabrique à champignons. Donc, prêt à découvrir cette discipline. On commence par quoi? Déjà, on va travailler à l'extérieur. Après une séance de briefing, vous aurez l'occasion de découvrir toutes les facettes de notre discipline. Voilà, vous avez la chance d'avoir plusieurs catégories, des cadets juniors jusqu'aux seniors. Et je vous laisse beaucoup de surprises. Voilà. Ben merci. Alors, donc, qu'est-ce que je fais là? Je me change, c'est ça? Oui, on va vous mettre en tenue et on y va. Ok, let's go. Maître Marcel Kofi, là on va en pleine nature. Oui, nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut faire ressortir ce potentiel. Et dans ce que la nature nous propose, on a la chance d'avoir ici du sable. Oui. On a la chance d'avoir des pentes. Oui. Et c'est dans cet endroit que nous préparons nos champions. Ah ben c'est très bien alors. Donc là, je découvre véritablement cet art martial en pleine nature et c'est parfait. En pleine nature et préciser que c'est là. Oui. Ce combat qui a été baptisé le bois sacré, c'est là qu'on a préparé nos champions du monde, champions d'Afrique. Oui. Et c'est là que nous partons maintenant préparer les prochaines joutes internationales, à savoir la Coupe du Roi Mohamed VI et la Coupe du Monde. Ok. Mais en plus de cela, vous êtes la fédération qui détient le plus de médailles en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère, la statistique. Nous sommes à 268 médailles remportées au plan international, championnat du monde, coupe et championnat d'Afrique. Ah ben bravo. Donc là, on va au bois sacré. Let's go. Je suis avec les gars. Jusqu'au bout. Super. Nous sommes à l'entraînement du Vocotruenne en pleine nature à la montée d'une pente dans le sac de Mac avec Maître Marcel Kofi. Let's go! Là, je découvre la pente. Qu'est-ce qui va se passer? On aura des ateliers sur la pente. Oui. On aura des séances de technique à deux. Oui. Toujours dans l'aspect du stage de combat. Oui. Et après, on aura. Ok, ben écoute, on est prêt à affronter la pente. Nous te remercions que tous ceux qui seront en ce lieu malades après cet exercice, tu retrouves la santé. Et nous remettons tout entre tes mains. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Hey, Cyril, qui va? Hey, Cyril! Allons, 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 la pente et ça continue l'entraînement du Vocotruenne en pleine nature. Let's go. Ah,
7, 9, 10, 11, 12, 13, à 4, 7, 8, 9, 4, ça. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, tu peux. Allez, c'est là. C'est bien les gars. Ok. C'est bon. La main touche pas. Maître, là on a vu différents exercices. Donc le premier c'était la montée de la pente. Serge, oui, montée de la pente, on travaille le cardio, on travaille l'endurance de l'athlète. C'est que la haute compétition demande un certain nombre de conditions physiques. Et on essaie de mettre nos athlètes en position. Et j'ai vu aussi qu'il y a même aussi tout ce qui est agilité. Oui, forcément au niveau des membres supérieurs. C'est ça. Les appuis, et je pense que vous prenez du plaisir, nous on est également heureux. Mais merci alors. Allez. Donc on continue l'entraînement. Let's go. Voilà. Voilà. Là, on observe plusieurs exercices qui sont pratiqués pour l'échauffement du vocotruène. Il y a le porté de partenaire et il y a aussi le saut mouton. Donc, c'est pas évident, mais ils doivent avoir une condition physique parfaite. Et je peux vous assurer que ce sont des vrais athlètes. Let's go. Tu veux?
Vas-y, Eric. Tu peux appeler la parole. Tire-moi. Vas-y. Vas-y, vas-y. Potruyane, c'est une discipline complète. Là, on voit la marche des canards. Voilà. Vous pouvez même assister derrière moi. Le Vokotruyane, c'est une discipline qui est assez complète. Tu peux te présenter? Je suis M. Samogo Vamoussa. D'accord. Trésorier général de la fédération et puis membre du club de l'association. Ok, donc là comme tu m'expliquais, actuellement, lorsqu'on vit en pleine nature, qu'est-ce que vous préparez Actuellement, généralement, on vient ici pour préparer la compétition nationale et internationale. Et actuellement, aujourd'hui, nous sommes venus pour faire l'ouverture de la saison. D'accord. Enfin, tout ça, comme compétition à préparer, Maroc, la compétition du Roi Mohamed VI, oui. La compétition internationale, ils ont Coupe du Monde de Vokotruyane qui aura lieu en Algérie. Oui. Et certainement la Coupe d'Afrique au Burkina. Ok. Au Burkina. Donc ici, actuellement, c'est en quelque sorte l'entrée de jeu. L'entrée de jeu. C'est tester les aptitudes et préparer aussi les athlètes aux conditions physiques. D'accord. Donc là, c'est vraiment le moment où on voit qui est prêt ou pas. C'est ça. Parce que le Vokotruyane, c'est pas du jeu. T'es pas prêt, tu viens pas. Et c'est pour cela qu'à l'entame de la saison, on exige que chaque athlète soit assuré. D'accord. Parce qu'à tout moment, tu peux te prendre un boulot. Okay. Et là, ça ne pardonne pas. Et là, tu m'as parlé aussi de vous préparer des fois tout ce qui est interdiscipline. Si. Championnat interdiscipline. En fait, l'entame de la saison, la préparation ici, c'est en vue de la compétition internationale. Oui. En vue de la compétition nationale de la fédération, coupe de la fédération, coupe par équipe. Oui. Et aussi préparer certains guerriers à la compétition interdiscipline. D'accord. Un peu à l'image du MMA. Ok, ben c'est parfait. Moi. Parce que beaucoup de gens se prennent ensemble. Donc ça intègre facilement les poings, les coudes, les pieds. D'accord. Et individuellement, c'est qu'on pourrait le trouver dans d'autres disciplines et c'est un peu ça en fait de façon cumulée. D'accord. Et vous faites le sol aussi, c'est ça? C'est ça. Les techniques de prise, de projection, de clé, tout ça. D'accord, ben c'est parfait. C'est un bel art martial. Actuellement, on va assister un peu à un échange technique. D'accord. Technique de combat, de pieds, de poings. Ok. Ben on y va. Let's go. Merci. Je te suis. Et je donne le dos. Il y a des gens qui attaquent comme ça. Il n'y a rien. Je fais comme elle a au bossu. Ici, ça va? Là. Ça blague pas. C'est le Vokotruyane. Là, échange technique avec les grands ateliers 2 à 2, oui. Technique de combat, oui. Esquive, déplacement. D'accord. On regarde là.
Il a habitué à encaisser. Hein? Lui, il a habitué à encaisser. Enfin, vous voyez, monsieur. Vous voyez, il a habitué à encaisser. Même comme moi, maman, laisse pas. Putain. Il a pris un coup, hein. Non, mais c'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Un, deux. Vous avez vu que rien, c'est deux mains. Vous avez vu? Trois. C'est bon? Boum. Tempête de sable. Ben les gens. C'était assez délicat et difficile dans le sac de Max. On est tous ensemble. Let's go. N'oubliez pas le vocal client. Félicitations maître, reine de champion. Oui, Seigneur, nous te remercions encore d'avance pour ces moments que nous avons passés ici avec ces exercices que toi-même tu as permis. Et comme le début, nous t'avons demandé de nous donner l'énergie et la force nécessaire. Nous te remercions parce que tu l'as fait. Maintenant, mon Dieu, nous allons retourner au siège. Nous demandons, Seigneur, de nous accompagner jusqu'à destination. Père, nous disons encore merci. Maître, c'est l'un de mes entraînements les plus difficiles quand même, hein, de tous les sports que j'ai pratiqués. Je vous félicite vraiment parce que c'est la préparation des compétitions et le début de la saison. Mais c'est digne de pas mal de mois d'entraînement et moi je suis vraiment satisfait d'avoir participé. D'accord. Et d'avoir découvert le vocotruen. D'accord. Bon, merci. Pour ça, prochainement, vous entendez parler du vocotruen. Ça va aller,